Wesh, c'est ta cousine préférée. Il était long ce préféré quand même. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Là je vous explique, en fait je suis retournée chez mes parents pendant quelques jours. Et quand je suis retournée chez mes parents, je suis tombée sur des pépites. Voilà ce que j'ai retrouvé. J'ai retrouvé tous mes carnets et j'ai aussi retrouvé mes bulletins scolaires. Là, dans cette pochette, c'est la pochette à problème. Dedans, il y a toute mon orientation scolaire qui mène à rien. Depuis que j'ai retrouvé mes bulletins, je les ai mis sur le côté. Je me suis dit, je les lis pas, j'attends la vidéo, comme ça on découvre tout ensemble. Et je sais qu'il y a des dingueries. Regardez juste ça. Représente le collège Pierre de Coubertin. Oh, tous ceux qui ont reconnu ce collège, le collège Pierre de Coubertin, lâchez une pierre en commentaire. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, un partage. Et tu peux toujours t'abonner, ça fait plaisir. Et aussi, venez me suivre sur mon Instagram, parce qu'en ce moment je poste des photos et je fais pas beaucoup de likes et tout. Donc venez s'il vous plaît. Bon, c'est parti. Je pense qu'en premier, on va regarder les bulletins scolaires. Là, c'est mes bulletins de 6ème. En 6ème, il y avait 3 trimestres. Oh, c'est trop de nostalgie. Oh, regardez le truc, il date, on dirait un parchemin. Sur ce bulletin, j'en suis sûre, si tu lis bien, tu peux trouver le One Piece. On va regarder ma note la plus basse. Ah merde! J'étais en train de regarder la moyenne de la classe, je me disais mais waouh, j'avais des bonnes notes. Ok, alors ma note la plus basse en 6ème, c'était en histoire géo. On va lire son commentaire. Des résultats insuffisants, Maria doit travailler ses leçons à la maison, adopter une attitude plus positive en classe. Mettez-vous au travail sérieusement et arrêtez de vous disperser dans des histoires abracadabrantes. Elle a écrit abracadabrantes sur mon bulletin. Avec 1, 2, 3, 4 points d'exclamation. Abracadabrante. Et ma note la plus haute en 6ème, c'était, attention, en technologie. En technologie, les gars, je me suis pris un 20 de moyenne générale. Mais en fait, je vous explique pourquoi j'ai eu 20. En gros, on devait trouver... C'est quoi qu'on devait trouver? En gros, on devait trouver une date pour le vélo. La première fois qu'il y a eu un vélo qui a existé. Ouais, après, en fait, la moitié de mes profs, ils me disaient fais attention au bavardage. Et l'appréciation globale, Maria doit changer son attitude et se montrer attentive dans toutes les matières au lieu de s'occuper des affaires des autres et de semer la zizanie. Non, wesh, elle abuse. Comment on parle, on dirait j'étais une élève perturbatrice alors que pas du tout. Genre en mode on dirait je lançais des chaises en cours, tu sais. Mais ça va pas ou quoi d'écrire ça? On passe au deuxième trimestre. Wesh, en technologie, je suis passée de 20 à 7. Alors en musique, déjà j'avais quoi? Ah ouais, j'avais 13. Oh, c'est pas beaucoup hein. Les résultats restent corrects, mais des bavardages et une attitude un peu désinvolte parfois qui nuisent à votre travail. Alors encore une fois, je me suis fait lyncher pour l'appréciation globale. Maria doit nous prouver qu'elle peut progresser en se mettant au travail avec la même énergie qu'elle met dans ses bavardages. Mais c'est pas possible, ils sont super méchants avec moi. Là on va passer à une autre année de collège. Si je lis ce bulletin, ils vont me prendre pour une cancre, je peux pas le lire. Quoi ? SVT, c'est insuffisant, il faut travailler plus. En techno, résultat insuffisant par manque de régularité. Art plastique, résultat correct mais décevant. On passe à la quatrième. Déjà en quatrième, on peut admirer mon carnet de correspondance. Putain, je l'avais pimpé hein, mon carnet. Hein. Il y a des dingueries dans mon carnet, regardez. Un jour on m'avait fait un robot et je l'ai gardé. Ça c'est la page observation. Alors j'arrive pas à lire. J'ai une observation, il y a écrit hurle en classe. Mais j'étais un animal quoi. Alors celui-là, je sais pas ce que je lui ai fait. Mais c'est écrit dépasse largement les limites du tolérable. Mais je lui ai volé son goûter ou quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour dépasser les limites? Mais je vous jure, quand vous m'entendez parler là, vous devez penser que j'étais un cas social, que je faisais n'importe quoi, mais pas du tout. Ensuite, heure de colle que j'ai jamais faite. C'est quoi que tu regardes? C'est toi qui as dessiné ça? Ouais. Je savais même pas que tu savais dessiner, c'est pas ça. C'est vrai, tu trouves? Regardez mon dessin, il est beau ou pas? Je suis choquée. Ah, j'ai eu une heure de colle. Comportement antiscolaire. Mais j'ai brûlé la salle ou quoi pour que tu me dises ça? Antiscolaire, c'est très dur hein. Franchement, de lire l'écriture des profs, c'est très très dur. Ensuite, j'ai une observation. S'amuse avec une bombe de serpentin dans la cour. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des moments de ma vie que j'ai oublié. Il y a des moments que mon cerveau a voulu effacer, je crois. Du coup, on va lire les appréciations des profs. On va lire l'appréciation globale. Maria chante à la perfection. Merci. Ils ont vraiment écrit ça, je vous jure. Ailleurs, sa voix se fait entendre parfois encore à mauvais escient. Ils ont dit que je chantais bien. Alors, bah ouais, on va commencer. C'est par la moyenne la plus basse. Alors en art plastique, manque de travail et de sérieux. Pourtant je kiffais, enfin dans mes souvenirs, je kiffais l'art plastique. Genre j'étais forte, je sais pas ce que... Je sais pas. Et en histoire, une amélioration du comportement mais aucun effort dans le travail. En fait je vous explique, j'aime trop parler. Et les profs en fait, dès qu'ils me disaient quelque chose, ça rentrait par cette oreille, ça ressortait par l'autre. J'arrive pas à me concentrer quand on parle. Oula, c'est pas très sympa hein. Ça m'a dit quoi? Maria pêche par une énergie mal dépensée et mal gérée malgré quelques efforts. Il faut essayer de se concentrer davantage et de profiter du cours pour comprendre et mémoriser des leçons peu apprises à la maison. Tu te rappelles de madame?
Et ben voilà, elle avait le mort. Oui, elle avait le mort contre moi. Hablar espagnol, muy bien que tout. Bon, on va regarder du coup le troisième trimestre, voir si je me suis améliorée ou pas du tout. Alors en anglais, on peut voir que je me suis pas du tout améliorée. Trop de bavardage et si peu de concentration. Attention. Ça parle encore et encore de bavardage. En technologie, je comprends pas, il me dit de la volonté, mais un relâchement face à la difficulté. Il ne faut pas perdre courage. Je comprends pas ce qu'on faisait de si difficile en technologie. On faisait les fils d'une voiture. Ou quoi, enfin non. Pourquoi j'avais des mauvaises notes en technologie? Ensuite là on va passer au lycée. Alors le lycée, faut savoir que je me suis vachement calmée parce que au collège je croyais trop que c'était le collège à mon père. Je sais pas ce que j'avais pour qui je me prenais, mais voilà. Donc là on passe à la seconde. On commence avec la physique chimie. Alors la physique chimie c'était ma hantise. Et quand je vous dis ma hantise, cette matière non. Donc on est en physique chimie avec un 8,50 et peu de travail, attitude à revoir. Depuis tout à l'heure je dis mes mauvaises notes, mais vas-y je vais dire un peu mes bonnes notes là. Déjà en sport, je suis passée à 17. J'avais arrêté le bavardage. Ou alors j'avais pas d'amis dans ma classe, j'en sais rien, mais en tout cas j'avais 17. Ensuite on passe au troisième trimestre. Parce que oui, j'ai pas eu le premier trimestre, je sais pas où il est passé. Quoi? Mais j'avais une note de merde en général. Oula. Alors encore en physique chimie. Bon, j'avais 3,30 de moyenne en physique chimie. Alors la prof de physique chimie m'a dit aucun travail, résultat inadmissible au lycée. Mais elle abuse pas un peu elle? J'étais un cancre. Alors là, ça je me rappelle, ils avaient grave abusé. Je me suis fait exclure 2 jours. Le motif c'est quoi? C'est Maria frappe violemment un élève à la récréation. Mais alors que pas du tout. Ils veulent trop me mettre dans la sauce. J'ai eu mon bac hein. J'ai eu mon brevet et mon bac. Et je suis encore en train de faire mes études. Donc ne me sous-estimez pas. Alors on va regarder mon carnet. Wesh, regardez ça tout ça. C'est les convocations à la CPE. Oh frère, il y a la maille, putain. Bon bah écoutez, là il y a rien de fou. Ça c'est quand je suis partie voir le conseiller d'orientation, il m'avait fait un parcours, il m'avait aidé à faire mon parcours scolaire que je n'ai absolument pas suivi. Merci au conseiller d'orientation du lycée de l'Orgue. Tué frère, tu te rappelles ou pas qu'il sentait fort? Oh, il sentait le bandit frère. On passe à mon dernier bulletin parce que là ça commence à faire un peu beaucoup. Alors on va lire l'appréciation globale. Une bonne participation mais les résultats restent fragiles dans l'ensemble. Oui. Effectivement, mais je m'en fous, j'ai eu mon bac. Bon ben voilà quoi, en histoire, toujours en histoire. Résultats insuffisants toute l'année par manque de travail. En anglais, toujours en anglais. Des résultats en baisse ce trimestre. Mais ne vous découragez pas. Ça va hein, en vrai de vrai, là j'avais, franchement j'avais des bonnes... Plus ça allait, plus je me calmais. Waouh, la photo de classe. Quel élève moche. Vraiment disgracieux ton visage. Bon, je pense qu'on en a assez vu sur ma scolarité. Je vais arrêter ce désastre tout de suite. Et en fait, en relisant mes bulletins, je me dis, mais j'étais un carnage. C'est pas possible d'être un enfant aussi mauvais, enfin aussi chiant en fait. J'étais un enfant chiant. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez écrire dans mes commentaires votre appréciation, mais genre la pire appréciation que vous avez eue. Je veux voir des dingueries. Je veux voir des dingueries sous mes commentaires là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous en avez découvert un peu plus sur... Vous avez rien découvert du tout, vous avez juste capté que j'étais une meuf naze. N'hésitez pas à lâcher votre like, vous abonner et c'était ta cousine préférée, bisous. Enfin là c'était plutôt ton cancre préféré.